Pour lancer cette plateforme, on a réuni une cinquantaine de blogueurs venus de toute la France avec des profils très différents, décoration, bricolage, couture, gros œuvres. Et on les a réunis ici à Paris, à la cartonnerie, pour parler de ce site en avant-première et pour les faire se rencontrer autour de leur passion commune qui est le bricolage et la décoration. Les bricoleurs, dans un an ou dans deux ans, c'est une communauté où chacun va se retrouver pour à la fois échanger, faire connaître son travail, ses passions, trouver des conseils à la fois de la part des consommateurs, des bricoleurs, mais aussi de la part de Bosch. C'est un site où on va trouver l'inspiration, c'est un site où on va échanger avec des passionnés, donc vraiment juste avec des publics très différents. On a parcouru le web sous toutes ses formes pour essayer de trouver des personnes passionnées et de profils différents venus de toute la France. On les a contactés pour leur proposer de découvrir le site Le Coin des Bricoleurs en avant-première. Et on a réussi à réunir donc une cinquantaine de personnes ici aujourd'hui. Et c'était un vrai bonheur d'échanger avec eux au préalable et de les voir en vrai. Et les rencontrer et les faire se rencontrer parce que pour la plupart c'était des gens qui se connaissaient déjà sur la sphère virtuelle, mais là sur la sphère réelle ils ont pu se rencontrer, boire un petit café et faire du bricolage aussi. Le Coin des Bricoleurs est né à l'initiative de Bosch Allemagne suite à la création d'un projet sorti il y a deux ans qui s'appelle wantodo.com, qui est une communauté dédiée au bricolage, à la décoration et au jardin, permettant à tout membre de publier ses projets étape par étape, de les exprimer par l'image ou par la vidéo et ainsi de les partager auprès des autres membres de la communauté. Bosch est sponsor actuellement de cette communauté. Donc quand on parle de sponsor, Bosch en fait est à l'initiative de la création de ce projet, de son développement et de sa mise en ligne. Donc Bosch finalement apporte une solution à tous les membres, aux utilisateurs internet qui souhaitent tout simplement retrouver des informations sur le bricolage, sur des projets qu'ils souhaitent mener à bien ou tout simplement les partager si finalement on est passionné de bricolage et qu'on souhaite finalement partager son savoir-faire au travers des projets. La journée de l'événement donc pour le lancement du Coin des Bricoleurs a été une journée formidable, riche en expériences, très riche au niveau social puisque beaucoup de personnes ne se connaissaient pas au préalable et de ce fait, cela leur a permis finalement de se retrouver à partir d'un centre d'intérêt commun et qui a permis tout simplement d'avoir une expérience qui, entre autres, leur a permis de mettre en avant leur savoir-faire et de partager une expérience très riche. Qu'est-ce que j'ai pensé de la journée? Super. Super, très bien. On vous a présenté la plateforme Le Coin du Bricoleur. Très intéressant. Je pense que c'est une bonne idée. Et ensuite, le bricolage, génial. On s'est mis en équipe. On a laissé parler notre créativité. Et c'était très, très sympa. Très sympa. Je vais m'inscrire sur Le Coin du Bricoleur. Je vais créer mon profil et puis
Bah, je pense que je vais commencer à faire des choses, à publier. Ce que j'ai retenu de cette journée, j'ai rencontré beaucoup de gens que je connaissais par blog interposé, c'était très agréable, et puis une très belle organisation, puis j'ai appris plein de choses, à me servir d'outils en particulier, donc très bien. Des conseils de professionnels très utiles, l'utilisation des outils naturellement, et puis surtout une bonne ambiance, voilà, un très très bon moment, vraiment. Ah oui, on s'est beaucoup amusé, beaucoup. L'outillage qu'on a pu tester aujourd'hui, c'est vrai qu'il est très pratique, très maniable. Le fait d'avoir un maximum d'outillage sans fil, bah, c'est très utile. Voilà, bon, après on n'a pas suffisamment de recul parce qu'on a testé que cet après-midi, mais dans l'ensemble c'est plutôt un avis positif.